Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à notre émission hebdomadaire. Je m'appelle Falko Wiesemann et aujourd'hui dans le studio avec moi, on a tout changé en fait. Il y a Denis qui est à ma droite, il y a Laurent qui est à ma gauche, donc je fais la présentation classique. Donc il y a à ma droite le rédacteur en chef d'Investir, Denis Lantoine. Non, je m'appelle Laurent, pardon. Ah oui, pardon, non, Laurent. Voilà. Et moi je suis qui alors? Donc on a tout inversé aujourd'hui dans le studio. Et à ma gauche, donc le président de l'AFAT, l'association française d'analyse technique, Laurent Elby. Bonjour Falko, bonjour à tous. Donc, on répète, à la droite, il y a Denis, à la gauche, il y a Laurent. C'est pour ça qu'on est un peu en retard, parce qu'on a tout changé, dernière minute, pour être prêt pour vous. Donc, quels sont les thèmes qui n'ont pas changé d'ailleurs aujourd'hui? Donc, on a encore une semaine en hausse, avec des nouveaux records. Donc, Denis va nous en parler. Et aussi, on va faire un focus aujourd'hui sur les valeurs préférées de l'analyste, en fait, avec Denis. Et on va évidemment annoncer les gagnants de jeux d'investisseurs cette semaine aussi. Mais on commence comme d'habitude avec le bilan de la semaine. Voilà notre première rubrique. Alors Denis, bilan de la semaine, qu'est-ce qu'ils font les marchés en fait? C'est calme, non? Pas grand-chose, vous dites effectivement calme. Semaine de hausse, ça n'a pas été le cas en tout cas à Paris, mais bon, c'est pas pour autant qu'on a beaucoup baissé non plus. Moins 0,15% sur l'ensemble des 5 jours, on ne peut pas dire que le dynamisme ait été au rendez-vous. Alors j'ai appelé ça la semaine sans impact, on le verra, hein. Tout d'abord pour le CAC 40, on le verra aussi tout à l'heure pour Wall Street, on le verra aussi pour un marché qu'on regarde un peu moins, c'est Tokyo. On ira faire un petit tour au Japon, je sais que vous adorez en tout cas Tokyo et ce pays, moi aussi. Ouais. Ce sera l'occasion. Il n'y a pas de photos, il n'y aura que des chiffres. Mais en tout cas, pour ce qui est du CAC 40, effectivement, moins 0,15%. Alors, je suis même rentré un petit peu dans le détail de la semaine et figurez-vous que la journée la plus haussière a été celle de lundi avec un plus 0,11%. Et la journée la plus baissière, on va dire, c'était vendredi, moins 0,17%. Autant dire que c'était le calme plat. On appelle ça le poteau noir, hein, dans le langage marin. Et je me demande même si ça n'a pas était peut-être la semaine la plus calme, on va dire, en intraday hebdomadaire. Ça, je ne sais pas si Laurent, en tout cas, s'est amusé à regarder ça, mais en tout cas, je ne serais pas étonné que ça fasse très très longtemps qu'on n'ait pas connu ce genre de semaine. Alors, pas d'impact, pourquoi? Effectivement, on attendait comme une seule chose, hein. Il y avait un petit stress le week-end dernier avec cet inconnu, cette déclaration d'indépendance annoncée pour la Catalogne. On n'y est pas encore. Il y a eu beaucoup de cafouillages, beaucoup d'acrobaties de la part du séparatiste catalan Carles Puigdemont. Il n'a pas pour l'instant encore véritablement déclaré l'indépendance de la Catalogne. Madrid s'en amuse un petit peu, il faut bien le dire, hein. Madrid a plutôt une position de force. Mariano Rajoy, qui en tout cas avait fixé un premier deadline aux séparatistes pour annoncer si effectivement oui ou non ils avaient déclaré l'indépendance. L'ultimatum était fixé donc hier à lundi 10h. Finalement il y a 3 jours de plus, donc il faudra attendre jeudi 10h pour savoir si on va plus loin dans cette affaire. En tout cas j'ai l'impression que les indépendantistes sont un petit peu pris à leur propre piège pour l'instant. Dans quelle mesure vont-ils pouvoir s'en débrouiller? En tout cas, c'est peut-être aussi pour ça qu'il ne s'est pas passé grand-chose en bourse, parce qu'il n'y a pas eu de crainte véritablement, en tout cas, sur une indépendance de la Catalogne. Ah, merci beaucoup, Denis. Donc, alors, Laurent, ça risque d'être un peu difficile. Donc, le CAC, il ne fait rien. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans l'analyse technique dans ce cas-là? Alors, effectivement, Falko, hein, c'est un petit peu difficile. Alors, quand c'est un petit peu difficile et que le sous-jacent qui vous intéresse ne fait rien, il est urgent d'attendre. C'est-à-dire que si le marché ne fait rien, eh bien, nous aussi, il va falloir qu'on s'arme de patience et qu'on attende de voir d'où viendra le prochain mouvement. Alors, vous l'avez compris, je suis neutre sur le CAC 40. Ça se retrouve assez bien avec le chart où vous voyez que on consolide vraiment très gentiment sur l'indice parisien entre 5343 et 5383. La semaine dernière, j'avais dit si effectivement le CAC 40 casse, clôture 5383 points, alors il y aura une correction qui pourra se déployer avec un retour possible vers les 5300, voire un petit peu en dessous. Ça n'a pas eu lieu, donc on n'a rien fait cette semaine. Et maintenant, j'attends effectivement de voir d'où viendra donc le prochain mouvement. Alors, vous savez qu'habituellement, j'aime bien payer sur repli. Là, en revanche, j'ai un biais différent. Je veux de la force sur le CAC 40 pour pouvoir rentrer à l'achat. D'où
viendra le premier signal si effectivement il y a de la force du courant acheteur, c'est sur le franchissement de 5383 points. Autrement dit, si on dépasse cette résistance, alors on peut interpréter cette consolidation comme un drapeau et on pourra aller filer vers les 5442 points. Donc si on choisit effectivement ce scénario haussier avec un franchissement de la résistance, on peut choisir un turbo call dont je vous donnerai les coordonnées dans un instant. Si en revanche on casse 5383 points, alors dans ce cas-là, on repart sur le produit de bourse dont on a parlé la semaine dernière. C'était un turbo put de code WE06B. Donc WE06B, c'est si ça baisse. Si en revanche, on franchit 5383 points, alors c'est un turbo call que nous avons choisi. Et celui-là, Falco, c'est le ZU18B. Merci beaucoup Laurent. Donc cette semaine on a donc deux produits. Donc si le support est cassé. Exactement. Si le support est cassé, on vend et c'est le WE06B de la semaine dernière. Et si la résistance est franchie, oui. Effectivement cette semaine le nouveau turbo call c'est le ZU18B. Bon, on a donc alors deux possibilités. C'est à vous de choisir selon le mouvement dans la semaine. Et je vous rappelle évidemment que ce produit présente un risque de perte en capital en cours de vie aussi à l'échéance. Donc voilà, formez-vous bien à l'aide de nos vidéos et de brochures sur notre site internet. Donc je vous présente le turbo call sur le CAC 40 ZU18B qui a ce matin un levier de 29,94, qui a un prix d'exercice aussi un barrière désactivant de 5200 échéance 19 janvier 2018. Son prix de vente ce matin pour 1,55€ pour un CAC 40 à 5350,22. Et voilà, après ce produit, on continue avec notre Denis et les US en fait. Il y a encore des records. Oui, bah là oui, effectivement, Wall Street, nouveau record pour qu'on y est habitué. Mais là aussi, on y est habitué, c'est pour quelques points à chaque fois. Hein. Donc ça se joue à quelques fractions, quelques points. Mais c'est quand même des records. Et là, ce qu'on attendait cette semaine, il y avait aussi un rendez-vous. Pas d'impact non plus véritablement. C'était le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed. On s'est rendu compte que le message était là encore toujours assez optimiste en économie américaine qui va bien, même si on a quand même toujours quelques interrogations, certains membres qui s'interrogent sur la vigueur ou plutôt la faiblesse de l'inflation aux États-Unis. En tout cas, pour l'instant, pas de remise en question d'une prochaine hausse des taux aux États-Unis au mois de décembre. D'ailleurs, Janet Yellen l'a encore quasiment confirmé à Washington ce week-end. Globalement, donc, une tendance bien équilibrée, bien menée de la part de la Fed. Et puis, des premiers résultats, là aussi, assez équilibrés. On a eu quelques petites déceptions, on va dire, du côté des banques, mais bon, c'était pas non plus d'une énorme ampleur. Wells Fargo et Citi qui ont reculé après leur publication. Les autres ont globalement monté. On n'en est qu'au tout début, donc difficile de tirer pour l'instant des conclusions sur cette saison de résultats du troisième trimestre, mais pas d'impact véritable pour l'instant, pas d'impact de la Fed. Là aussi, une semaine sans impact, mais des records. Merci beaucoup Denis. Donc il y a des records, donc qu'est-ce qu'il dit l'analyse technique et Laurent se laisse un petit 500. Alors écoutez, ce que dit l'analyse technique c'est que malgré ces records, il y a de l'incertitude hein, quand même. Incertitude de très court terme car je ne vois pour le moment aucun signal de renversement notable sur le S&P. Au pire, on peut avoir une petite correction tout à fait légitime qui se met en place. Alors c'est vrai, il y a des nouveaux records mais quand on regarde le chart, la semaine dernière moi je m'attendais à une petite correction. Le marché n'a pas validé cette hypothèse. Mais enfin, quand on voit tous ces corps de bougies comme ça, qui sont les uns dans les autres et qui sont tous plus minuscules les uns que les autres, on s'attend à une correction. Alors, sur le chart, cela dit, pour le moment, on est toujours au-dessus d'une moyenne mobile à 10 périodes exponentielles, donc très réactive, et on est largement au-dessus. On a toujours des indicateurs techniques qui nous montrent que le marché monte. Alors, là encore, on va avoir une stratégie, une double stratégie. Parce que c'est vrai que ça monte, mais il pourrait, je n'exclus pas une correction dans les prochains jours. Si effectivement, on casse ce niveau à 2541 points, vous voyez ce niveau de support, si on le casse en clôture, alors on part en correction de très court terme sur le S&P. Et là, on peut reprendre un produit, là encore, qu'on a évoqué la semaine dernière. C'était un turbo put infini sur le S&P. Et le code de ce produit, c'était WM21B. Si en revanche,
ça continue de monter et ça peut tout à fait continuer, alors effectivement, on s'inscrit dans la tendance et on va acheter un Turbo Infini Best Call de code 66A. OB. Donc vous voyez Falco, on est là encore sur des marchés qui sont incertains avec une tendance de fond qui est forte et qui est haussière, mais vous le savez, dans les tendances il y a des corrections et encore une fois je le répète, je ne serais pas surpris de voir une petite correction sur le S&P et donc également sur le CAC. C'est pour ça que cette semaine exceptionnellement on propose ces deux produits parce que le marché est en équilibre instable et on va voir effectivement quel sera le prochain mouvement. Super, merci beaucoup Laurent. Donc en cas positif que ça monte, je vous propose un produit. Donc c'est le Turbo Infini Best Call sur l'S&P 500 avec le code 66AOB. Donc ça change aussi un peu les codes. Son levier ce matin c'était 32,91. Son prix d'exercice aussi, son barrière désactivant c'est 2500,2201. Voilà, et tout ça pour un prix de vente 65 centimes pour un S&P à 56,70. Voilà, après ce petit produit, on continue avec le bilan de la semaine qui est Denis et on va prendre l'avion direction le Japon. Bah oui, Tokyo, on n'en parle pas souvent, mais là effectivement c'est l'occasion d'en parler. Nikkei 225 est un pic de 21 ans, des niveaux inconnus donc depuis 1996. Un marché qui est toujours soutenu par la perspective d'une large réélection dimanche de la coalition qui est actuellement au pouvoir et qui est emmenée par le Premier ministre Shinzo Abe. Et puis pas d'impact aussi, il fallait bien que je trouve un pas d'impact pour les marchés japonais. Bah, c'était le pas d'impact d'un gros scandale qui a effectivement été découvert là-bas au Japon. Kobe Steel, le sidérurgiste, qui aurait fraudé donc dans le cadre de la certification de ses produits durant des décennies. C'est énorme, mais c'est encore un, on va dire que c'est resté un épiphénomène. C'est resté donc localisé autour de Kobe Steel qui a naturellement chuté en bourse, mais en tout cas il n'y a pas eu d'impact global sur la tendance à Tokyo. D'accord, bon, merci beaucoup Denis. Donc pour Tokyo, on ne fait pas de produits aujourd'hui et on passe tout de suite à notre prochaine rubrique, les tops et les flops. Alors Denis, quels sont les tops de cette semaine ? Bah, ArcelorMittal, il fallait bien y passer encore une fois. Alors j'aurais pu ne pas le prendre parce qu'effectivement toutes les semaines on peut le prendre, on le dit régulièrement, mais le plus 8,2% il est naturellement lié à l'évolution du cours des matières premières, mais aussi pour montrer une nouvelle fois que le cas de Kobe Steel au Japon était resté un épiphénomène et non pas un problème sectoriel, parce que sinon il y aurait eu des répercussions sur ArcelorMittal, sidérurgiste européen, vous voyez, même à l'échelle mondiale, et ça n'a pas été le cas du tout. Donc voilà pourquoi j'ai choisi d'en parler aujourd'hui. Le secteur du luxe très bien représenté également, Kering plus 5,8, LVMH plus 5, l'impulsion a été donnée par LVMH en début de semaine dernière qui publiait donc ce chiffre d'affaires du troisième trimestre. Il a été supérieur aux attentes, il a été très bon, c'est ce qui a emmené d'ailleurs l'ensemble du secteur et les deux valeurs sont à des plus hauts historiques. Et puis L'Oréal, on est aussi un petit peu dans la même tendance, même mouvement, c'est plus 4,3% en l'espace de 5 jours. Merci beaucoup Denis. Donc LVMH au plus haut historique, c'était ça? Voilà, donc Laurent, qu'est-ce qu'on fait dans cette situation avec LVMH alors? Eh bien écoutez Falco, on va essayer de l'acheter. Hein, LVMH, effectivement, le titre est très fort. Le chart de court terme est très propre. Vous voyez effectivement un niveau de résistance qui a fait refluer les prix pendant deux jours seulement. Ouverture de gap haussier, breakaway gap parce qu'on ouvre au-dessus de la résistance. Deux moyennes mobiles rapides et un petit peu plus lentes qui sont très bien orientées, qui montre un fort momentum, un ADX qui est à 36, qui là aussi montre un mouvement directionnel qui est fort. Autrement dit, la voie semble libre pour LVMH et pour donc continuer de progresser dans les prochains jours, voire même dans les prochaines semaines. Alors là, pour le coup, vous voyez, on a fait hier une bougie d'avalement baissier. Je vais zoomer un petit peu, vous la voyez ici. Ça veut dire peut-être qu'il va y avoir un petit peu de pression vendeuse qui rentre sur ce marché. Cette pression vendeuse, elle ne signale en aucun cas un retournement, c'est juste une petite correction de très court terme qui serait bienvenue, parce que si effectivement on revenait sur ce niveau de résistance qui est devenu support à 235,95 €, eh bien ça serait une opportunité de rentrer long sur LVMH à moindre coût et d'accompagner cette belle tendance haussière. Donc on achète LVMH et pour le faire on a choisi un varant call de code WY99B. Merci beaucoup Laurent. Donc c'est un varant call sur LVMH avec le
le code WY99B qui a ce matin un levier de 7,79. Son échéance est le 15 juin 2018. Et sans prix d'exercice, 250 euros. Et sans prix de vente ce matin, 1,20 € pour LVMH à 239,15 €. Et on continue avec les flops et Denis. Oui, plus forte baisse de la semaine, donc l'opérateur de satellite Eutelsat a toujours beaucoup de défiance pour cette valeur qui va bientôt publier et un cabinet d'analyste, Kepler Chevreux, qui se montre très négatif, en tout cas très prudent avant ses performances, contre-performances très certainement attendues en tout cas de la part du cabinet pour le premier trimestre. C'est quand même moins 8%, hein, c'est pas rien en bourse. Airbus, moins 5%, mais ça tient pas compte de la hausse en tout cas qu'on a eue donc ce matin après l'accord donc avec Bombardier pour participer au développement du programme C-Series d'avions de ligne du groupe canadien Airbus la semaine dernière qui était plutôt affecté par les risques liés à une possible forte amende pour des enquêtes anti-corruption, c'est ce qui a pesé sur ce titre. Et puis Crédit Agricole qui ferme de la marche de notre flop, moins 4,7% pour la Banque Verte, très certainement là aussi à cause, non pas des rumeurs, mais des volontés affirmées au cas où, si Commerzbank était à vendre, en tout cas dans les prochaines années, dans les prochains mois, éventuellement, eh bien, Crédit Agricole se montrerait intéressé par la banque allemande. Donc, naturellement, dans ces cas-là, ça provoque toujours un peu de dégagement, un peu d'inquiétude, un peu de doute dans l'attente. On voit un petit peu, c'est ce qui s'est passé très certainement sur Crédit Agricole. Merci beaucoup, Denis. Et voilà, on va passer maintenant à cette annonce de du gagnant de notre super tasse investisseur de la semaine, 100% marché. Voilà, cette semaine, bon, d'abord, je vous rappelle que chaque semaine, donc chaque mardi, vous pouvez choisir toute la journée le produit duquel vous pensez que ça sera le meilleur choix pour la semaine prochaine, parce qu'on va regarder du mardi soir au lundi soir suivant quels sont les prix, quel est le développement de produit, et celui qui a choisi le meilleur produit aura cette tasse du mardi après et sera annoncé. Et cette semaine, Laurent, c'est qui cette semaine? Eh bien écoutez, cette semaine, c'est Christophe qui réside à Saint-Ouen, qui a fait un beau trade sur le Brent. On va regarder ça ensemble rapidement. Alors déjà, vous avez donc depuis le début de l'été un baril de Brent qui n'a cessé de s'apprécier, plus de 30%. Et par ailleurs, dans cette hausse, on a une belle structure haussière, puisque vous le voyez, on a ici une forte polarité, c'est-à-dire une zone de résistance à 54,80 € à 55 € pour simplifier, qui a donc fait générer un premier reflux. Et puis là, vous le voyez, elle a été également opérante. Et puis une fois qu'elle a été dépassée, elle est devenue support. Eh bien, Christophe, il a profité de cette polarité, puisque quand le baril de Brent a consolidé, eh bien, il est revenu sur cette zone de résistance devenue support. On est à 50% de retracement de la dernière impulsion. On est dans le voisinage d'une moyenne mobile à 40 périodes. On a un ADX qui reste fort. Autrement dit, on avait beaucoup d'arguments techniques pour effectivement accompagner cette tendance haussière avec un stop très serré, puisque vous le voyez, il ne fallait pas passer au-dessous de ce niveau. Bref, c'est ce que Christophe a bien compris et qu'il a bien exécuté, et ça lui permet d'engranger un profit de 29,55% avec un turbo call infini. Donc bravo Christophe, c'était un petit peu facile cette semaine parce que c'est tellement propre que le chart nous montre que c'était pas difficile à faire, mais c'est toujours difficile de rentrer sur les marchés. Donc bravo, c'est un beau trade, belle exécution. Vous avez bien lu la marche du Brent et vous méritez vos 29%. Christophe, bravo. Bon, bravo Christophe. La tasse, on va la tout de suite mettre dans un paquet et envoyer par la poste à Christophe aujourd'hui. Donc on va continuer avec notre prochaine rubrique, le Focus. Alors, Denis, qu'est-ce qu'il y a dans le focus cette semaine? Il fallait bien trouver une idée, hein, effectivement. Oui. Donc, c'est pas évident en ce moment. Et avec une idée, En fait, on l'a encore jamais fait depuis le début de l'émission. Ah, ouais. Donc, je me suis dit, effectivement, c'est en tout cas l'occasion de faire le point. Comme effectivement, il n'y a pas encore, avant peut-être aussi toutes les grandes publications hein, du troisième trimestre, elles vont arriver. L'occasion de faire un petit peu le point sur ce qu'aiment ou ce que n'aiment pas les cabinets d'analystes. En gros, les valeurs préférées donc du consensus, les likes et les pas likes, on va dire. Donc, un petit aparté peut-être avant
avant de commencer cette liste, c'est que je me suis amusé effectivement à regarder. Vous savez, tout le monde sait ce qu'est un consensus. Hein. En gros, c'est on prend toutes les opinions de tous les cabinets d'analystes, valeur par valeur, on les agrège et puis on considère que donc soit on est en gros on est acheteur, on est vendeur ou on est à conserver et on fait en gros les pourcentages d'acheteurs par valeur, les pourcentages de vendeurs et les autres c'est les conservés en règle générale. Donc plus le pourcentage d'achat est élevé, plus le consensus est acheteur naturellement, plus le pourcentage en tout cas à la vente est élevé, plus le consensus est vendeur. On va dire que donc ces valeurs où qui voulait le consensus est le plus acheteur, ce sont les valeurs aimées des analystes et les autres ce sont on va dire les mal aimées. Alors, bon, globalement, on peut aussi dire quand même que le consensus, il a un biais. Hein. Il est jamais complètement équilibré. Et même en période, en tout cas, de phase de baisse des marchés, sachez qu'un consensus, globalement, est toujours beaucoup plus positif que négatif. Donc, ça, c'est l'optimisme hein, des marchés, l'optimisme naturel, humain, naturel, en fait, voilà. Exactement. Surtout, et d'autant plus encore envers des valeurs qu'envers un indice. Je pense qu'il y a un capital, en tout cas, capital proximité, je dirais pas d'amitié, mais en tout cas, qui est beaucoup plus proche, en tout cas, avec des valeurs qu'avec un indice. On vend beaucoup plus facilement un indice qu'on ne vend une entreprise cotée. Mmh. Et alors, je me suis amusé globalement à définir quelle était la position actuelle, en tout cas, du consensus. Si je regarde l'ensemble des valeurs du SRD et que je fais la moyenne des pourcentages d'achat, on arrive à 51%. C'est-à-dire qu'en gros, le consensus actuellement, il est acheteur d'une valeur sur deux. En revanche, quand on regarde les valeurs sur lesquelles il est à vendre, pareil, j'ai fait la moyenne, on n'est qu'à 10%. Donc, ce qui montre bien quand même que globalement, actuellement, tout va bien puisqu'on est en période haussière des marchés, donc c'est un peu plus normal. Mais sachez que globalement, il y a toujours ce biais positif de la part des analystes et du consensus à être acheteur plutôt que vendeur. On rentre dans le détail ? Ah oui, allez, oui, c'est avec parti. Plaisir, alors. Avec un 76% d'achat, c'est le meilleur score. En tout cas, je me suis contenté de prendre le CAC 40. Hein. Je ne suis pas descendu très 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 bas. Pas j'ai pris que les grosses valeurs. Et on a donc un 76% d'achat pour Capgemini. Bah, effectivement, Capgemini qui est un leader hein, et qui ne déçoit très 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 peu SS2I. Je comprends. Nous aussi, c'est une valeur en tout cas qu'on aime bien. Orange, c'est un peu plus étonnant parce qu'Orange patine en tout cas en bourse depuis le début de l'année. Autant dire que ça ne fait rien. C'est même peut-être l'une des valeurs qui a baissé, l'une des rares valeurs hein, en tout cas qui a baissé en tout cas sur le dernier trimestre. Avec donc, un secteur des télécoms qui est faible oui, par ailleurs. Voilà, donc effectivement, il y a un capital confiance, on va dire envie, rattrapage, une volonté en tout cas de voir monter Orange de la part des analystes, peut-être toujours cet aspect rendement, dividende, qui n'ont peut-être pas été oubliés d'Orange et qui fait que les analystes aiment plus Orange qu'un autre. On va retrouver aussi des valeurs cycliques, là c'est assez normal, notamment Saint-Gobain, Renault, Schneider, on en parlait il n'y a pas très longtemps, Schneider, Publicis pour son côté américain, AXA, la financière, pas de bancaire, mais en tout cas une financière qui est donc AXA. Et Essilor, bah là c'est certainement l'envie en tout cas de vouloir attendre mieux. Hein. Il y a une pleine phase en tout cas de fusion avec l'italien Luxottica, vous le savez. Et c'est vrai que pour l'instant, Essilor, bah, il y a eu des petits trous d'air hein, sur la croissance au cours des derniers trimestres. Là on attend que tout se passe bien autour de Luxottica. En tout cas, il y a capital confiance, on a envie. C'est un peu comme du Air Liquide, hein. C'est l'une des valeurs fétiches de long terme des particuliers et aussi des analystes. On le retrouve en tout cas dans le consensus. Voilà pour ces valeurs aimées. Vous voyez que ce score, en tout cas, qui est assez important, puisque je n'ai retenu que les 10 premières et elles sont toutes à plus de 63% d'achat, dans le gros, donc 2 sur 3. Ce qui est étonnant, Denis, c'est que je suis étonné de voir le peu de valeurs défensives dans ce que les analystes oui. retiennent. Et ça dit quelque chose sur la psychologie actuelle du marché. Bullish. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que vraiment, c'est beaucoup de valeurs cycliques, étonnamment cycliques, toutes. J'en vois pas une seule qui ne l'est pas. Ça montre bien le biais actuel du marché, quoi, des investisseurs institutionnels et des analystes sur la course que font les indices actuellement. Voilà, c'est une petite parenthèse, mais c'est intéressant, je trouve, de voir ce focus et je trouve que ça serait intéressant de temps en temps de revenir dessus parce que ça dit quand même beaucoup de choses sur l'humeur et l'état d'esprit du marché. Alors attention, il y a aussi un autre biais. Alors, là, je me veux un peu contrariant aussi. C'est le fait que au plus la valeur est aimée, qu'est-ce qui peut lui arriver de mieux après pour monter ? Après, là où c'est pas forcément si on veut être contrariant, hein, je veux dire qu'en gros, quand on veut suivre une tendance, on peut suivre ses 10 valeurs favorites, les mettre en portefeuille, a priori, il n'y a pas de gros risques. En revanche, quand on cherche le petit coup de peps, c'est peut-être pas là-dessus qu'on va les trouver. On va les trouver sur les grands changements de tendance. Et donc là, c'est peut-être sur les valeurs les moins aimées qu'on va les retrouver. On va le voir tout à l'heure. Parce qu'effectivement, quand on est qu'à 10% d'opinions favorables, on va dire pour le peu qu'il y ait 1, 2, 3 cabinets qui se disent c'est le moment et on passe à 20. Le catalyseur, le phénomène déclencheur, il est plus là que sur ces valeurs, on va dire là pour le coup de fonds de portefeuille.
Merci beaucoup, Denis. Donc, il y a parmi ces valeurs aussi Accor, et on va regarder Accor avec Laurent. Effectivement, bon, Accor, là aussi, hein, très beau chart, rien à dire. On est sur une tendance de court terme qui est forte depuis plus d'un mois. Vous voyez à l'écran ces moyennes mobiles qui s'écartent, autrement dit un momentum hein, qui est en train d'accélérer, un courant acheteur qui gagne en puissance. On a un ADX qui est le témoin du mouvement, de la puissance du mouvement directionnel qui est très fort. Autrement dit, là encore, on a un courant acheteur qui est puissant. Alors, cela dit, on voit que le DI+, ici, il est en train de revenir doucement, que l'ADX, il est peut-être un petit peu suracheté. C'est pour ça que même si on est acheteur sur Accor, on peut ne pas se presser et attendre un repli qui serait bienvenu. Ce repli, s'il venait sur ce niveau à 42,50, regardez, c'est ce niveau de résistance ici qui deviendrait potentiellement support. On paye 42,50, stop sous 41,73 et puis on accompagne cette tendance haussière qui pour le moment, vous le voyez, reste tout à fait vigoureuse. Alors, pour accompagner donc ce mouvement sur repli, j'ai choisi un Varan Call de code WY09B. Merci beaucoup Laurent. Donc sur Accor, un Varan Call WY09B qui a un levier de 9,88 sur l'échéance 16 mars 2018, sans prix d'exercice 45€, sans prix de vente 36 centimes pour Accor à 43,26,6. Et on continue avec Denis et les focus et aussi les actions qui sont les moins aimées en fait. Bah oui, les canards boiteux de la bourse, on va dire, en tout cas ceux qui déçoivent depuis très longtemps. Mais en tout cas, pour le spiel, pour ceux qui aiment effectivement le jeu, c'est peut-être là en tout cas où il y a le plus à gagner. Parce que le jour où ça va se retourner sur l'une de ses valeurs, bah là, il y a un upside qui peut être important. Nokia, ça fait des années en tout cas qu'elle est la mal aimée de la bourse. Elle baisse, il n'y a rien, en tout cas rien pour l'instant, pas de déclic particulier qui incite à revenir à l'achat. 42% d'opinions donc vendeuses, donc c'est ce qui témoigne aussi en tout cas de la défiance par rapport à Nokia pour le moment. Le jour où ça se retournera, c'est là en tout cas qu'il faudra peut-être mettre quelques billes. Tout cela, ce sont des billets de loterie, hein. Un petit peu moins Air Liquide, je suis un peu étonné d'avoir en si mauvaise position. 27% en tout cas de vendeurs, on n'est toujours pas sorti en tout cas des incertitudes qu'il y a pu y avoir en tout cas avec la fusion avec Airgas. Pourtant maintenant tout me paraît bien rodé. Moi j'en ai fait une de mes valeurs favorites en tout cas de début d'année en me disant bah, ce sera peut-être l'année d'Air Liquide après cette phase de transition. Ce n'est pas encore le cas pour l'instant du côté des analystes. Je suis un peu étonné par ce résultat. Moi, je reste toujours acheteur. Il n'y a pas autant à gagner que sur un Nokia, que sur un Lafarge ou un Technip. Mais en tout cas, je pense qu'il y a un Air Liquide mérite peut-être mieux, en tout cas cette année où je n'ai pas encore tout vu. Solvay, 26%, bah là, c'est une cyclique aussi, mais attention, la chimie, c'est beaucoup plus compliqué hein, sur eux que les autres automobiles. Lafarge-Holcim, là aussi, hein, vous remarquez en tout cas qu'on voit tous les mariages. Hein, là, Nokia, Lafarge-Holcim, Technip, FMC, il y a beaucoup de défiance globalement entre ces fusions qui ont été réalisées depuis 3 ans et dont on attend toujours effectivement que le mariage soit radieux, ce n'est pas encore le cas. Peugeot, 23%, Valeo, 22%. C'est ce qui est étonnant, c'est qu'on voit en tout cas parmi les valeurs les plus vendues, des valeurs de l'automobile comme Peugeot et Valeo, mais on avait Renault tout à l'heure parmi les valeurs les plus aimées. Donc là, il y a quand même un gros un esprit en tout cas très différent, en tout cas un jugement très différent de la part des analystes pour le secteur de l'automobile. Voilà ce qu'on pouvait en dire. Merci beaucoup Denis, on va regarder Technip avec Laurent. Oui, alors juste avant de regarder Technip, encore un petit commentaire parce que c'est vrai que Peugeot, Air Liquide, ce sont des titres qui sont forts. Air Liquide, je crois, doit être à quelques centimes de son plus haut historique. C'est étonnant ce désamour pour un titre qui est si fort. Et même Peugeot, qu'est-ce qu'elle est belle Peugeot cette année. 23% seulement, ça me paraît tout à fait étonnant. Donc ça mériterait d'aller creuser un peu ce qu'ont les analystes dans la tête parce que ce sont des résultats tout à fait intéressants et surprenants. En tout cas, Technip. Qu'est-ce qu'elle n'est pas belle, Technip. On a vu tout à l'heure que le baril avait pris depuis début juillet 30%. Une industrie pétrolière qui est forte, qui surperforme en ce moment le Stoxx 600. Et pourtant, Technip n'arrive absolument pas à relever la tête. On comprend que les analystes ne l'aiment pas. Et nous non plus, techniquement, on ne l'aime pas, Technip. Elle est en baisse perpétuelle depuis maintenant plusieurs mois. Elle a fait un petit repli, regardez, sur cette zone à 20%.
24 euros. Et là, le courant vendeur s'est tout de suite remanifesté avec cette moyenne mobile à 50 périodes qui est bienvenue arbitrer donc ce sommet. Gap baissier, regardez ici, grosse bougie noire derrière. On avait une toute petite ligne de tendance de très très court terme qui a été cassée, autrement dit maintenant sur Technip. On ne peut pas ne pas envisager un retour sur 21 euros. C'est donc pour cette raison qu'on la vend, Technip. On s'inscrit donc dans le mouvement de la tendance avec un VAR en put Falco de code WZ47B. Bon, merci beaucoup Laurent. Donc c'est un VAR en put Technip FMC avec le code WZ47B qui est ce matin à levier de 5,30, son échéance de 16 mars 2018, son prix d'exercice de 22 euros et tout ça pour un prix de 37 centimes avec Technip à 22,30 €. Voilà, c'était déjà le focus et on va passer à notre prochaine rubrique avec Denis. Elle s'appelle « À ne pas manquer ». Alors Denis, qu'est-ce qu'il ne faut pas manquer la semaine prochaine ? Oui, un agenda un peu plus fourni en tout cas, hein, sur le plan économique cette semaine. Production industrielle aux États-Unis, le livre belge de la Fed, c'est certainement ce qui sera le plus regardé cette semaine outre-Atlantique. C'est programmé pour demain soir, c'est un document qui va permettre en tout cas qui est préparatoire pour la prochaine réunion de politique monétaire de la Fed. Donc attention à surveiller toujours de très près l'indice Philly Fed d'activité donc de la zone de la région autour de Philadelphie et les indices du composite du conférence board aux États-Unis, zone euro, pas grand-chose. L'indice ZEW, comme vous dites si bien, Falco. Donc en Allemagne, du sentiment économique, hein, tel que perçu par les économistes allemands. C'était ce matin d'ailleurs. On va dire que si certains ont cru qu'il avait dit, il a déçu, en fait, il a un tout petit peu moins, il a moins augmenté que prévu. Donc c'est pas une réelle déception, c'est une moindre progression que ce qui était attendu. En Chine, attention, congrès du Parti communiste, c'est toujours un moment très important qu'on surveille, c'est à partir donc du 18 de demain. Et le PIB du quatrième trimestre à surveiller, c'est pour jeudi matin, ainsi que les ventes au détail. Et alors les entreprises, Denis ? Ça y est, c'est parti, hein, véritablement. Donc on a eu que LVMH la semaine dernière du côté du CAC 40. On en a 6 cette semaine. Danone, c'était d'ailleurs ce matin. Record historique pour Danone, des ventes qui ont été appréciées. Carrefour, Accor, Michelin, Pernod Ricard, Publicis. En dehors du CAC, Rémy Cointreau, c'était ce matin aussi. Casino, c'était ce matin. Biomérieux, Thales, Groupe Eurotunnel, à l'international. Attention, il y a un petit jeu pour vous. Il y a une valeur qui n'est pas américaine, à vous de la trouver. Goldman Sachs, IBM, Johnson & Johnson, Morgan Stanley, American Express, Alcoa, eBay, Travelers, Verizon, SAP, GE, General Electric et Schlumberger. Vous l'avez compris, beaucoup, beaucoup de valeurs américaines cette semaine. Ça recommence tout doucement, en tout cas parmi les ténors en Europe avec l'éditeur de logiciels allemand SAP. Bravo. Bon, après, c'était un peu facile pour moi. Bon, merci beaucoup, Denis. Et voilà, donc on est déjà à la fin de notre belle émission et on va juste où il me reste juste à vous donner les rendez-vous pour la semaine prochaine et aussi cette semaine. Donc, on va se retrouver avec Laurent jeudi soir à 18h pour le webinaire Revue Technique des Marchés à 18h. Laurent, 19 octobre, jeudi, cette semaine. Et mardi prochain, évidemment, le rendez-vous classique à midi pile, le prochaine émission 100% marché. Donc, je vous dis merci à Denis aujourd'hui à ma droite dans le studio et Laurent à ma gauche dans le studio pour changer un peu de temps en temps. Et aussi à vous, toujours devant nous. Et avec nous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à très très bientôt. Au revoir.